Découvrez dans cet article les meilleures plantes d'ornement à planter en mai pour embellir votre jardin ou votre balcon. En cette période de l'année, le mois de mai est idéal pour mettre en terre de nouvelles variétés de fleurs et de plantes qui apporteront couleur et fraîcheur à votre espace extérieur. Que vous soyez novice ou expert en jardinage, vous trouverez des conseils pratiques pour choisir les plantes les plus adaptées à votre environnement et à vos préférences esthétiques. Suivez nos recommandations pour créer un jardin florissant et harmonieux dès le début de la saison estivale. Les meilleures plantes d'ornement à planter en mai. Le mois de mai est une période idéale pour planter des pivoines, des iris, des annuelles et des plantes aquatiques dans le jardin d'ornement. En effet, avec l'arrivée du printemps, les températures commencent à se réchauffer et les journées s'allongent, offrant des conditions optimales pour la croissance des plantes. De plus, planter ces variétés en mai permet de profiter pleinement de leur floraison durant l'été, apportant ainsi couleur et parfum agréables au jardin. N'hésitez pas à ajouter ces plantes à votre espace extérieur pour créer un environnement esthétique et harmonieux. Concernant les plantes aquatiques, vous pouvez planter des nénuphars et des jacinthes d'eau pour ajouter une touche de féerie à votre bassin ou votre fontaine. Choisissez des variétés adaptées à la profondeur de votre point d'eau et installez-les dans des paniers aquatiques remplis de terreau spécial. Admirez leurs fleurs et leur feuillage décoratif tout au long de l'été. Conseil pour planter des iris en godet. Avant de planter des iris en godet, il est important de choisir un emplacement ensoleillé ou partiellement ombragé, avec un sol bien drainé. Pour préparer le sol, mélangez du compost ou du terreau à la terre existante afin d'enrichir le substrat et d'améliorer sa structure. Les iris apprécient un sol légèrement acide à neutre, donc n'hésitez pas à effectuer un test de pH si nécessaire. Assurez-vous également que le sol ne retienne pas trop l'eau, car les iris sont sensibles à l'humidité stagnante. En suivant ces conseils, vous favoriserez la croissance et la floraison de vos iris en godet. Astuce pour planter des pivoines avec succès. Lors de la plantation des pivoines, il est essentiel de creuser un trou d'environ 50 cm de profondeur pour permettre aux racines de se développer correctement. Il est recommandé d'incorporer du compost ou du terreau au sol lors de la plantation pour fournir à la plante les nutriments nécessaires à sa croissance. Assurez-vous également que le sol est bien drainé pour éviter tout risque de pourriture des racines. En suivant ces conseils simples, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir la plantation de vos pivoines et profiter de leurs magnifiques fleurs dans votre jardin.